Si vous voulez soutenir la chaîne et ne rien manquer, appuyez sur le bouton s'abonner, laissez un like et puis activez la cloche. Et donc, bonjour à vous les petits paldiens. Aujourd'hui, c'est Feriel. On se retrouve pour la deuxième épisode de Titty George Card Simulator. Je m'excuse si ma voix est un petit peu cassée, si je tousse, si je vais pas bien. Je commence à être malade depuis la semaine passée, c'est pour ça que j'ai pas refait d'autres vidéos. Mais là, j'essaie d'en faire, fait que est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Et nous voilà sur le petit jeu. Alors, il y a eu quelques petites updates jeu depuis... la semaine passée. Juste baisser un petit peu le son de mon bord, parce qu'il part un peu, puis même ici. Voilà. Alors oui, il y a eu quelques petites updates, puis la semaine passée, il y a eu de nouvelles choses. Notamment, je pense que ici, dans les accessoires, c'est des... Oui, il y a ça, ils se trompent pas. Ça, c'est nouveau. Ça, il n'y avait pas ça. Avant, il me semble. Non, je pense pas mal là. S'il me semble pas d'avoir de nouvelles choses. Si non plus, il n'y a pas de nouvelles choses. On pourrait acheter la licence. Non, il y a une autre chose aussi qui ils ont changé. Ils ont changé ça ici. Ah non, ils ont rien changé. Dans le patch note, c'est marqué qu'ils ont enlevé les 50 cents pour mettre à une cent. Mais je crois que non. 52$, mon petit monsieur, merci. Si on a des cartes, j'ai vu aussi les paldiens qui avaient des mods. Fait que si jamais ça vous tente que je mette des mods, dites-moi les dans les commentaires. Je vais essayer d'en mettre un, quelques-uns. Il y en a un aussi que je penserai pas que celui-là je vais le mettre parce que j'ai pas envie que, d'avoir des problèmes. Mais il y en a un. Pour que toutes les cartes TCG soient des cartes. Pokémon. Je penserais pas que je le mettrais, mais pourquoi pas. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Oh, 625$. En début d'épisode, un gros hit quand même. C'est une bonne chose. Faut juste que le monde l'achète là, mais mettre directement ici avec notre oh, tac. Oh aussi c'est nouveau. Tant que c'était pas là dans le temps. Ben avant. Dans le temps, comme si ça fait longtemps que je suis. Peut-être un mois, je pense, de quoi comme ça. Merci, monsieur, 50$, merci. Bonjour monsieur. Je vais faire 41, je vous dois 19. Ok, je dois passer comme je dois acheter. Boum. Je vais aller acheter la nouvelle AGS pour l'acheter en plus. Oh, okay. Moi j'ai commencé à jouer un autre jeu en même temps. C'est. Je sais pas si je vais le continuer, mais je l'avais déjà fait. J'ai commencé à rejouer à Supermarket Simulator. Fait qu'il y a des choses qui sont pas préparées entre les deux. Alors, il y a des choses que j'essaie de faire qui ne fonctionnent pas forcément. Waouh, tellement bon marché. On va aller les ouvrir par nous-mêmes. On va peut-être avoir un gros hit. Oh, 300 et quelques. C'est pas un gros hit, mais c'est quand même ce prix. Premier. Oh, quelqu'un qui pue. 41, madame, merci. Bon, ben, on va la mettre ici. 300 et quelques. 410 pièces, ça se prend bien. Ça, ça part comme des petits pains. Il faudrait une troisième étagère. Oh, hello, monsieur. Wow, ce qui me vient de me prendre, il va falloir des nouveaux produits. Faudrait-tu autre chose? Faudrait ça, puis ça, il faudrait 245. C'est pas avec ce qui vient de m'acheter que je vais l'avoir, hein. 10$, mon petit monsieur. Il s'est fait voler sa place. Ok. Putain, c'est pas de faire asperger, mon gars. Lave-toi le soin. 469 pièces. Hello. Hello. 25$, monsieur. 65. Boum, ça c'est acheté. Je me trompe de touche parce que je suis habitué avec Supermarket Simulator. Fait que je suis comme. J'essaie de voir pourquoi que ça marche pas par moment.
Voilà, il m'en reste un peu dedans. Et les petits paliers, je vais faire une petite ellipse. Je dois revenir quand même assez vite. Je reviens. Ok, re les paliers. Ma femme a... Ben, j'ai parlé avec ma femme pour vendre. Ok, il y a quelque chose qui a été... Fait que oui, c'est ça. Ma femme m'a parlé, fait que j'ai dû... Ben, elle m'a appelé, fait que j'y ai parlé, elle va me rappeler. Fait que je vais devoir refaire un autre ellipse. Mais en même temps, j'ai modé un petit peu. J'ai mis quelques petits mods pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que j'ai mis un pack counter pour savoir combien de packs total qu'on a ouvert. Bon, là, c'est sûr, ça s'est mis là quand que j'ai mis le mod, mais c'est pas grave. J'ai mis que on voit l'argent que le monde y ont. Fait que puis on voit leur salaire. Face opening, FPS counter, demande combien d'FPS que j'ai. Fait que tout est là. On va pouvoir continuer. Fait que, ouais! Fait que lui, il y a 78. Et je pensais que ça m'a fait tant. Fait que, on voit combien qu'ils ont. On va remettre là. J'ai mis le mode aussi. Bon, ça ouvre beaucoup plus vite les packs parce que c'était beaucoup trop lent. Si vous voulez, je vais bientôt faire une petite vidéo là, pour vous montrer comment modder le jeu. J'ai mis le auto price aussi, ça met directement le bon prix. Fait comme ça, mettons, celui-là c'est 12. Mettons, je le ferais par moi-même, peut-être 10%, 10%, ça serait 13. Mais comment j'ai configuré le mode auto price, je l'ai mis à 10%. Je pense que j'ai... Je pense que c'est ça, je l'ai mis à 10%. Fait que tous les prix vont s'ajuster pour ça. Il y a même quelque chose d'autre que je pourrais faire dans la fast spin. Comme je pourrais avoir plus que 8 cartes en main, mais je le ferais pas vraiment. Je pourrais même changer le pick-up list. Ben le pick-up, fait que mettons, si je le mettrais à 10, ben ça irait plus vite. Je trouve pas vraiment ça c'est nécessaire. Que ça, je trouve que ça casse un petit peu. L'autre. Encore, ça va. Ça avait 388 pièces. Oh, lui, il a 500. Fait qu'il va peut-être m'acheter une petite carte, mettons. Oh oui, j'en ai une à 400 et quelques. Fait qu'il pourrait peut-être me l'acheter. Mais juste voir ce que le monde ont avec eux. C'est magnifique. Puis juste ouvrir les packs gros, vite comme ça, ça change aussi, pardon. Mais si vous voulez, mettons que par la suite, je mette d'autres modes, dites-moi les. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cool, parce qu'au moins, en faisant queue, on voit c'est qui est dans notre magasin. Tu sais, il y a un mode aussi pour enlever ceux qui puent et tout ça, mais ça, je trouve que c'est pas une bonne chose quand même. Le pack counter, pourquoi que je le vois bizarre? Parce que je voyais combien de packs que j'avais ouvert, mais là, je le vois plus. C'est pas vraiment une grosse perte, hein? Pas le mode le plus important que j'ai installé. Est-ce qu'il y a des choses à mettre? Il y a comme un autre mode aussi, que ici, à la place de me dire combien qu'il y en a, que ça me dit, mettons, combien que j'en ai dans le stock. Fait que ça aussi, ça pourrait être une bonne chose. Tabletop, on va en racheter un. Ah, attends, ça me le dit, là. J'ai ouvert 133 packs. Quoi que ça me l'affiche plus, aucune idée. Je voyais encore, fait que c'est correct. Ce mode-là, il est juste hyper puissant. On peut les ouvrir encore plus vite, mais en x10, c'est bien. En plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ils ont modifié l'XP qu'on gagne, fait qu'on gagne plus d'XP qu'avant. Ça aussi, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a fait 325$. On ouvre tout ça direct des packs. Je pense que ça s'est mis à jour parce que j'étais pas à ce que je n'ai ouvert depuis le début du live. De la vidéo, je n'ai pas ouvert autant que ça. Je pense que ça l'a compté tout ce que j'ai ouvert moi aussi. Les autres qui ont 400$, combien 600, je vais en réouvrir. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire en attendant. Et le fun aussi, c'est que depuis une dernière patch, on voit la value des cartes.
dans notre album. Fait que si j'ouvre l'album, je vois que j'ai 100$. Il y a une carte à 100 aussi. À 60, pardon. Je pourrais la mettre ici complètement. Oh, plein de petits packs pour la petite mademoiselle. Bonjour. Oh, une carte à 94$. 8$ pour vous, monsieur, merci. Okay, ça va être argué. Parfait, fait que va falloir que j'achète. Bon, que j'achète ça ici. Je vais acheter la licence tout de suite. Ouais, mais là, j'ai peut-être fait une connerie parce que j'ai pas d'étagère pour mettre ça. Ah, attends, peut-être qu'un jour ils vont m'acheter mes cartes qui ont de la valeur. Combien l'étagère, by the way? Et dans mon DIY, c'est 300. Ok, et pas si cher que ça. Ça devrait se faire quand même assez vite. Je devrais avoir assez de produits jusqu'à temps que je lui stocke. Bonjour madame. Une petite carte. Oh! Bon ben, voilà, je l'ai. Une petite carte à 300$. Ça se prend bien. Boum, petite étagère. Déjà, non, 300. Fait qu'il me manque une centaine de dollars. Voilà. Je vais déplacer un petit peu les choses. Comme ça, je vais pouvoir réarranger. J'aime ça quand que c'est bien arrangé. Tiens, je vais les mettre quand je vais pouvoir. Ce n'est pas un mauvais prix, je le sais. Bro, 78$. Merci. Bon, ça en fait de l'argent. Je veux pas, on a quand même des grosses cartes. On va en ouvrir tout de suite. Normalement, j'ai mis que c'est les cartes au-dessus de 100$ qui me pop-up. Parce que sinon, c'est au-dessus de 10, puis c'est chiant. C'est chiant. Fait que je l'ai monté un petit peu. Voilà. Ouais. Oh, un autre. Bon, je prends pas des aussi gros hits qu'avant, mettons des 1000$ ou des choses comme ça, mais c'est quand même pas une mauvaise chose parce que le monde va plus acheter une carte à 300, surtout au début, parce que comme vous voyez, ils ont 500-700$ de budget, fait que quand même pas une si mauvaise chose. L'acheter, non, pas encore. Des réglages, est-ce qu'ils ont rage nouvelle chose? Je penserais pas. C'est drôle parce que je l'ai bloqué à 120 FPS, mais je suis à 144. Même sur mon écran, ben même sur mon stream deck, c'est marqué ça, c'est drôle. Parce que comment ça a pu avoir de produits? Oh, lui, il vient de m'acheter une belle petite carte, je pense. Ah, je pensais que c'était une meilleure carte que ça, mais finalement, non. Faut 404$. Vite, achetez-moi. Il y a une belle petite carte, c'est à 1000$. Mais c'est tout. Ça m'a toujours. Ça, j'ai toujours trouvé ça drôle. Ils veulent pas m'acheter, hein. Produit. Et vite. En attendant, je vais ouvrir des packs. Il y a rien d'autre à faire. Ils veulent pas m'acheter les petits animaux. Pas de gros hit. Continuez d'en ouvrir. Tant qu'il y a du fond qui s'en vient. Il y a un mot aussi que j'aurais pu mettre, mais je me suis dit, waouh, peut-être un petit peu trop cheaté. Je peux bypass la limite que je mets, surtout pour le monde qui peuvent rentrer dans le magasin. Sure. Bon, là, je t'achète pour avoir plus de people, mais. Ok, ça c'est définitivement cheaté. On va peut-être aller l'enlever plus tard parce que j'ai pas envie de broke le jeu. Mais remarque que ça fait juste d'économiser du temps, fait que c'est pas une mauvaise chose. Là pour la prochaine licence, des bruits de vide, non. J'achète une belle petite carte, 29$. Merci monsieur. À la prochaine, hello madame. Je vais vous faire 18$, madame. Parfait, bonjour. Je vais vous faire 14$, mon petit monsieur. Merci. Fait que là, faudrait m'acheter ça. Que je sers le bon petit monsieur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les sleeves blancs. Ils ont que ça. Ben, qu'ils m'achètent. Ils m'achètent jamais autre chose. Fait que je vais ouvrir des nouveaux packs. Peut-être m'acheter une boîte pour moi. Pas pourquoi, mais mon open s'est enlevé. Je l'ai remis. Peut-être de nouvelles cartes. C'est drôle ça. Il était coincé. Bon, puis il n'y a que des bons. Hello! Des petits packs pour vous, mon petit monsieur. 13$. Bonjour. 17$. Hello! Le compte est bon, merci. Ça va être ma boîte personnelle.
vais quand même restocker parce que je l'ai quand même volé un peu là, mais boîte personnelle, je vais la maîtriser. Oh! Je m'en ai dit, je sais pas si je vais avoir un hit, mais finalement oui. Puis ça, c'est quand même très bien. De ce que je vois, on a beaucoup plus de hits qu'avant. Mais tu sais, c'est plus équilibré, c'est pas une mauvaise chose, ce que je vois pour le moment. C'est vachement bien. Ma femme qui est sortie me rappeler, finalement, elle me rappelle pas. Hello, monsieur. Carte, 20$, monsieur. Parfait, le compte est bon. Une belle petite carte à 600, voilà. Là, pour ça, j'ai une carte à 50. Et j'ai une petite carte à 40. Oh, hello. Oh, première fois qu'une personne m'achète ce pack-là. Let's go, on rit. 50$, le pack. La boîte est déjà remboursée hein, avec la carte de 600. Mais si je repogne, mettons un autre hit, ça vous donne que du bénéfice. J'attendais un petit peu mieux, mais c'est quand même pas si dès qu'il faudrait acheter ça. Deux petits supports en métal. Je vais en acheter un pour commencer. Et j'aimerais m'acheter un nouveau produit. Là, je vais les mettre. Pas coller ça contre le mur. C'est Q pour la déplacer. Pour que je le colle au mur. Voilà. Et dans le fond, bientôt, j'aimerais m'acheter des figurines. Déjà, c'est extrêmement cher. On va commencer tranquillement. Mais je vais les mettre dedans. J'aimerais deux étagères. Et ça, c'est juste un. Comme ça, il y aurait deux emplacements pour. Il y a une chose aussi que j'aimerais peut-être m'économiser plus tard. C'est ça ici, le workbench. Mais il faut que je sois niveau 9 de toute façon. 10, pardon. Je suis niveau. J'aurai d'autres packs. Le temps que le monde arrive au magasin. Dites-moi là dans les commentaires aussi hein, si vous trouvez que c'est un petit peu trop cheaté ce que j'ai fait. Si vous voulez que je revienne en arrière, que je les enlève, c'est tout à fait possible. Beaucoup de valeurs. 700, j'ai 700, 1000, 400, j'ai 150. Monde, soit qu'ils sont trop pauvres, soit que ça leur tente juste pas d'acheter des grosses cartes. Ok, fait techniquement la journée est finie. On va passer à la prochaine journée. On a été dans le négatif. Oui, oui, on est ouvert, vous pouvez venir. Surtout que c'est le matin que tout le monde en cause de l'effraction. Lui est parti, bredouille. Pardon, il me reste un pack, monsieur. Oui, vous avez. Tac, 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 tac. J'ai-tu des choses à mettre? Non. Pourquoi pour jeter F? Mais j'ai sur F, bordel. Ça, c'est vide. F, fait qu'il me faudrait ça ici. Très sûr. Il faudrait quelques petites choses, mais il faudrait que le monde m'achète plus que deux packs. Aidez votre magasin local. Hey, ça, je t'avais des enlevés. T'as payé pas, puis le monde n'achète que ça. Bon, tu sais que c'est un bon prix, bro. C'est pas pour ça. Faudrait des dés. J'aurais pas le mettre. Encore de l'an. Je vais acheter ces deux-là. Faudrait 500$ approximativement. Tu m'achètes carte. Voilà votre monnaie, monsieur. Les amis, ça dit quoi? La collection est géniale. Wouhou! Baldian Shop, c'est clean. J'adore. Des beaux avis. J'ai pas. Pardon, poli, mais. Je sais pas si. Oh, lui, une petite carte, 7$. Je pense toujours que ça va peut-être être une grosse carte, mais finalement, non. Non, pas 50$. T'es malade. Lui, une de mes cartes. Suite. T'es mieux que rien. Mais c'est sûr que j'aimerais qu'il m'achète autre chose. Une petite carte à 28$. Bon, qu'est-ce que vous m'avez acheté comme carte, monsieur? 4 à 400, bon! Là, on parle! 411$. Bon, monsieur, ça va vous faire 7$, merci. Ok, avec ça, je vais acheter ça, puis je vais acheter, il n'y en a pas d'autres. Étagère. Ah, et après ça, restock time. Je vais l'envoyer. Oh, non.
pensais qu'il m'avait acheté ma grosse carte, mais voyons. Ah non, il s'en va là. Vite. Avant que l'autre chiale que ça sort pas beau dans le magasin. Okay, tiens, ça, je vais restocker. Puis je vais ouvrir. Il reste encore une centaine de dollars. Va-t'en, Buan. Il y a assez d'argent pour acheter une carte pour 150$, mais il n'y a pas assez d'argent pour s'acheter un déo. Et là là. Ok, j'ai assez pour m'acheter une figurine? Non. Un petit pack opening à soir, monsieur? Oh, que je m'achète une pousse très cher. Il y en a un qui m'en a acheté un. Continue d'ouvrir des petits packs. Oh, pourquoi mon auto health mon auto open il s'enlève des fois, je sais pas pourquoi. Hello monsieur, avez-vous acheté quelque chose de beau? Eh ben non, tout assez d'argent pour acheter au moins une grosse carte. Voilà, l'argent commence à couler à je l'ai marqué avec le pavé numérique. Mais non, ok, je comprends pourquoi que ça s'enlève quand que je marque l'argent, ok, je viens de comprendre. On va aller changer. Dans ce, ça va arrêter de s'enlever. Je vais un petit peu de pack. Pour que je pogne un gros hit quand même. J'ai déjà rendu à presque près de 300 packs ouverts. Ça va vite pareil, hein. Ça, j'ai toujours dit, mais je trouve que c'est un des points forts de ce jeu-là. C'est bel et bien de pouvoir ouvrir des packs. C'est vraiment Supermarket Simulator que t'attends que du monde pis que t'as rien d'autre à faire. Ben, celui-là, au moins, tu peux ouvrir des packs. Vivement dans la roadmap qui met que tu peux jouer avec le monde comme ça. C'est prévu, évidemment, il me semble que oui. Allez regarder tantôt avant de terminer l'épisode. Ça serait super. Oh, allô, monsieur. Holy Schneider. 72$, monsieur. Pas 7200. Il m'aurait trippé à ce prix-là, je pense. Allez, une grosse carte. Yeah, level 10. Moi, je peux peut-être engager mon premier ouvrier en. Oui, je vais le faire. On engage notre premier ouvrier. Je me suis fait arnaquer. Il est même pas là. Je me suis fait arnaquer. Bon, bah, il va peut-être arriver demain. Je me suis fait arnaquer. C'est raisonnable, je dirais. T'as combien de dollars? T'as pu me l'acheter, bro? En acheter un? Hello, monsieur. 43$. Merci. T'as combien? 5. 24. Merci. Vraiment fait arnaquer. Oh! Réapprovisionnement. Dois-je également remplir les étages en étiquette? Non. Good. Une petite carte pour monsieur. Top. T'as un costard et t'achètes une carte à 17$. Monsieur, 36$. Merci. Je vais racheter petit pack comme ça. Il m'a volé ma boîte. Il m'a volé là, ma boîte là. Bon ben, il faut les ouvrir ici. Je vais y donner plus de travail. Là, que je suis niveau 10, faudrait que je me rende à 1000$ pour acheter ce que je vous avais dit tantôt. Ici, là, dans le workbench. Et ça permet de regrouper toutes nos petites cartes. Et comme, mettons, là, présentement, j'ai encore 1600 de value. Je devrais être capable de. Il est lent par contre. C'est pas le plus rapide, hein. Oh, 126$. Ce mode-là marche à moitié, je pense que je vais l'enlever. Hello madame! Je vais vous faire 48$, je vous dois 12, parfait. Je vais toujours écrire avec le pavé numérique, c'est un enfer. Je vais mettre la petite carte à 100 balles. Je sais pas, non, je m'en ai dit, je sais pas si lui qui restock ses armées les prix automatiques, mais oui, parce que c'est moi qui les mette à la base, 400 quelques dollars. Okay, mais t'as pas fini, bro. T'as encore du staff à faire. Fainéant. Crackcase, désolé monsieur, je m'en viens. Il me reste des choses dedans. Je vais l'ouvrir pour jeter la boîte. Hello monsieur.
6$, s'il vous plaît. Et... non, c'était pas ce que je voulais faire. Bon. C'est ça que je voulais faire pour l'asperge. 12$, monsieur. Merci. Oh, vous allez partir. Et ouverture de pack Pokémon. Oh non, c'est pas Pokémon. Ben non, j'ai pas assez d'argent. Ben, par contre, nous les petits paldiens, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder au cas où. On est rendu niveau 10. Dans le fond, dans la feuille de route, peut vendre les anciennes étagères, application d'avis clients fait, carte commerciale, organiser un noir, jouable, c'est ça, il est là. J'ai hâte que ça soit là, mais peu importe. Merci les paldiens d'avoir regardé cet épisode. C'était Feriel et on se retrouve bientôt pour la troisième épisode de Torch Up Simulator. Allez, ciao les paldiens.